Salut mes quichois, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une nouveauté. On m'a contacté, c'est la même personne qui m'avait contacté la dernière fois que vous avez fait un jeu de Ludovic. En gros c'est un jeu de nombres comme vous pouvez le voir, créé par Ludovic. Alors entre un, en fait on dirait trop le truc de le juste prix. C'est plus 14 500. Entre 1 et 120, ça va être chaud là. 50 plus 60, ça te met un peu le stress parce qu'il faut aller vite. Il m'a dit qu'il avait créé ce second jeu, donc il voulait que j'en fasse une vidéo, donc c'est parti, nous allons voir, c'est un quiz FR, donc on va aller voir ça de suite. Niveau 1, date de la fête nationale en France, pas le 14 juillet ça? Validé. Ouais. Ok, en gros c'est juste des petits quiz comme ça en fait. 1000 mots. J'ai vu, attends, là je sais jamais pour les mots, les go, les co, les trucs. Co, pas d'abord. Co, mo, go, to. Pas 1000 co pour des mots et un go peut-être pour 1000 mots. Ouais, j'ai trop forte. Que vaut... Ah mais je connais pas les FRF... je sais pas quoi là. FRF. Là ça va être du pif. Là c'est pas en euros. C'est soit dollars, soit ça je sais pas ce que c'est, ou en euros. Ah mais c'était pas les francs. Ah c'était francs français. Donc c'est peut-être 1 euro. Ouais, trop forte les gars. Quelle est l'année des attentats du 11 septembre? Je sais plus du tout. On va mettre 2005. Mauvaise réponse, vous perdez un point, vous toujours commencer à essayer ou pas essayer. Ah bah c'était 2003 alors. Bah c'était 2001. Voilà. Combien de lettres dans l'alphabet français? Il y en a beaucoup. On va mettre 26. Laquelle de ces propositions est une marque de voiture? Bah Tesla, parce que Newton c'est pas les trucs des sons ou je sais pas quoi. Einstein, bah c'est Einstein. Et bah c'est Tesla. Quelle est la capitale d'Angleterre? Mais je... Bah c'est Londres. Quel pays a remporté l'Eurovision 2021? Alors là, je sais pas, j'ai pas suivi l'Eurovision, donc on va laisser la France. Bah, je sais pas. L'Italie? L'Italie a gagné l'Eurovision 2021, ok. J'ai pas suivi les Eurovisions, donc voilà. On va faire jusqu'au niveau 10, et après, ça suffira. Combien peut-on gagner au maximum au jeu à gratter cash? On peut gagner beaucoup, ça. Le cash, je crois que c'est jusqu'à 50 000. Hein. Non? Un peu plus? 500 000? Ah ouais? Ah ouais, je savais même pas. Et en plus, en bas, vous avez vu, c'est marqué par Ludovic. Dédicace à lui, merci à lui. Depuis, c'est récent. Bon, il m'a contacté il y a très peu de temps. Fin décembre, ou début janvier 2023, je sais plus. Mais voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez un peu compris le concept. C'est juste des questions comme ça à quiz. Vous pouvez faire ça avec vos amis et tout, comme ça. Savoir qui est le plus fort dans les quiz et tout. Voilà, voilà. Donc, c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer ce jeu, le quiz FR. Simplement, vous marquez quiz FR sur le Play Store et vous le trouverez tout simplement. Et sinon, bah, vous mettez exemple. Je sais pas, Ludovic M, ça a peut-être marqué ses différents jeux, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine!